Et enfin, nous tous sommes là dans la relation. Que nous qui croyons le message de William Branham, c'est nous là. Amen. C'est nous là, c'est nous. Amen. C'est pas de l'orgueil, c'est nous. Si Dieu doit trouver des chrétiens dans cet âge, c'est nous. Amen. S'il y a des chrétiens dans cet âge, c'est ceux qui croient le message de William Branham. Amen. Oh, ce jour-là, au pays d'Assyrus. Amen. On cherchait une vierge. On ne l'a pas trouvée parmi les Mèdes et les Perses. On les a trouvés au pays des Juifs. Amen. Au pays des Juifs, c'est là-bas qu'on a trouvé les vierges. Amen. C'est la même chose qu'on doit avoir fait. Eux, ils sont du monde. C'est pourquoi ils parlent d'après le monde, de la tâche. Ils parlent d'après le monde. Et le monde les écoute. Dieu, c'est comment? Hein? Gloire au Seigneur. Hein? Dieu, c'est comment? Ah, c'est gâté, après là, c'est gâté, c'est gâté. Hein? Chrétien, pas là. Amen. Amen. Mais si tu as dit qu'on va aller, c'est pour prendre l'exemple pour montrer quelque chose. Mais ça, c'est pas le mouchi, là, c'est pas ton langage. Le chrétien, c'est un homme vieux. Déjà, il est vieux, c'est ça. Ah, il est vieux. Amen. Bessé, c'est comment? Et puis, quoi, l'église, dans la boue de l'église? Hein? Jeton là, c'est comment jeton? Hein? Jeton là. J'ai pas un pays, j'ai ton là. Voilà, rien, voilà pour ça. Quand je regarde ici, habillement, pareil. Voilà, pareil. Coiffure, pareil. Et quand tu l'as dit, pas de coiffure. Une fois, il a laissé son coiffure, il est revenu. Je lui ai dit, repars ton coiffure encore. Amen. Alléluia. Non, moi, je fais ce que je veux. Là, si vous faites ce que vous voulez, au ciel, on sera pas ensemble. Amen. Amen. Au ciel, on sera ensemble. Amen. Mais après la terre, on se sépare. Amen. J'ai dit, retourne ton coiffure encore. On sait le visage, etc. et tout ça. Retourne ton coiffure encore. Amen. Amen. Et il y a je vais demander l'argent. Il dit l'argent n'a pas de coiffure encore. Le soir, je vais demander quand le coiffure a pris l'argent. Il dit non, il n'a pas pris l'argent. Il dit voilà, c'est ça. Vous comprenez ça? Amen. C'est important. La jeunesse, là, c'est vanité, ça passe, amen. C'est éphémère, il n'y a rien dedans. Amen. Gloire au Seigneur. Amen. Ça n'apporte rien. Mais heureux ceux qui écoutent la parole. Amen. Heureux ceux qui regardent. Amen. Heureux les enfants qui regardent. Amen. Et dans l'église, tu vas voir des jeunesses, des jeunes filles. Amen. Les jeunes gens, ce sont les enfants de Moïse là, qui sont allés dans le désert. Tu as possédé le pays. Amen. Amen. On va voir les jeunes gens, les jeunes filles dans l'église. Tu sais que tu vas épouser une soeur. Bien, nous, quand on est venu là, on sait que tous les soeurs qui sont dans l'église là, c'est nous et Satan. Amen. On est bien. Amen. Amen. Non, on est bien. Peut-être que la soeur, bon, elle peut peut-être avoir souci ou bien quoi, mais une soeur ne s'inquiète pas pour mariage. Amen. Une soeur ne vit pas pour mariage. Gloire au Seigneur. Mais nous, on sait que, écoutez, c'est parmi elles, là, on va prendre une. Donc nous, on lui verra bien. Amen. Est-ce que ça va te faire habiller pour servir à Jacques Yolo? Non. Pour que Aïcha te dise que tu es bien. Si Aïcha te dit que tu es bien sapé, Il faut bien tenir. Amen. Si tu es un chrétien de vie, je ne sais pas quoi. Robert. Robert est nous, ma chérie, mais tu es bien, mais tout là. Il faut faire ça. Amen. Gloire au Seigneur. Amen. Mais voyez, on est des frères, on sait que je dois épouser une soeur. Je ne suis pas pressé. Amen. Je m'organise seulement. Si je peux avoir un petit boulot, je peux avoir un petit
travaille quelque part, je travaille, j'ai pris une maison, j'ai tout bien, j'ai bien taboué. Dieu vient. Vous comprenez? Tu vas envoyer chez toi. Tu dis j'ai trop, je veux. Toi-même ton témoignage là, tu es fier de ça. Amen. Tu es fier de ton témoignage. Amen. Tu es une fille qui te garde pure. Tu te gardes vierge. C'est une fierté, ça a beaucoup pris devant le Seigneur. Amen. Tu n'es pas le petit sale là de toucher. Mais tu es une fille pure. Amen. Car c'est simple. Amen. Amen. Être vierge, simple. Ça a pris devant le Seigneur. Amen. Amen. Tu as une grande valeur de mon Dieu. Amen. Et c'est la réputation, c'est pas nous. Amen. C'est ce que Dieu veut. Aujourd'hui, etc., vous ne pouvez pas compter sur le monde pour bien marcher. C'est dans la maison de Dieu. Et lorsque nous allons, c'est une bataille. C'est une guerre. C'est pourquoi il faut aimer venir à l'église. Lorsque vous êtes assis là comme ce soir, vous. Il y a des engagements que vous avez pris dans votre cœur. Oui, je crois que Satan, tu me plus. Je crois que tu es vaincu déjà. Amen. Tu es déjà vu. Comprenez? Oui, c'est juste. Comme le serpent était sur la croix, hein? Le serpent était déjà vaincu avant qu'il monte les gens, il était déjà vaincu. Comme ça, il était déjà vécu avant de prendre les gens. Donc, tu prends des engagements. Et ça, à chaque fois que vous venez à l'église et que vous prenez des engagements, vous-même, vous devenez une personne engagée. Amen. Une personne engagée. Gloire au Seigneur. Et quand on voit la vie, toi, tu es jeune, et puis, etc., et tout ça, tu es là, tu fais bien, et tout ça. Qu'est-ce que les gens font? On rend un bon témoignage de toi. Ça veut dire qu'ils sont en train de rendre un bon témoignage de toi. C'est-à-dire qu'on te dit que tu vis comme un chrétien. Amen. On te dit que. Et ça, ça te lève encore les épaules. Amen. Amen. Et ça, c'est vrai. Mais tu ne suis pas ton témoignage. Nous sommes d'accord? Amen. Béni soit le nom du Seigneur. Eux, ils sont du monde, c'est pourquoi ils parlent d'après le monde et le monde les écoute. Mais nous sommes de Dieu. Amen. C'est une assurance. Amen. Et ce soir, tu dois avoir cette assurance. Amen. Tu ne dois pas douter, bon, si je vais le revoir. Non! Ça veut dire que tu ne seras pas là-bas. Amen. 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 Mais tu vois déjà où se trouve ta théophanie déjà. Amen. Gloire à Jésus-Christ. Amen. Tu sais que tu es là-bas. Tu ne doutes pas de ça. Gloire au Seigneur. J'ai l'assurance de mon salut. J'ai l'assurance de mon salut. Ce n'est pas une espérance, mais une assurance. Bon, j'espère que je serai là-bas. Bon, je ne suis pas trop sûr, mais j'espère. Non. Mais. Il a été donné de chanter ce n'est pas « J'ai l'espérance de mon salut ». Non, mais j'ai l'assurance. Je suis debout sur le pied. Je le crois de tout mon cœur que je suis déjà là-bas. Gloire à Jésus-Christ. Amen. Ça, c'est une fierté. Béni soit le nom du Seigneur. Nous sommes de Dieu. Celui qui connaît Dieu nous écoute. Celui qui n'est pas de Dieu ne nous écoute pas. Amen. Donc je marche sur la parole. Celui qui n'est pas de Dieu ne me comprendra pas. Comment il marche comme ça, pourquoi il marche comme ça, pourquoi il marche seul, pourquoi. Mais parce qu'il n'est pas de Dieu. Mais le jour que Dieu le visitera, il rendra témoignage que oui. Je me souviens. Amen. Hein? Je me souviens. J'étais quelque part. Le jour de la gloire, c'est ce que Jésus a dit.
Avec le jouir ce qu'on a dit, il rend gloire à Dieu à cause de vous. Lorsqu'un juif va se retrouver à Boké, à Congo, quelque part, parce que, bref, vous, la terre est enceinte de lui, Marie est tombée enceinte à Nazareth, elle est allée accoucher à Bethléem, n'est-ce pas? Amen. Avec cette personne peut-être, son jour où il va enfanter, amen, il sera engendré, n'est pas encore arrivé, mais, amen, ça vient, c'est un enfant de Dieu, et un jour, il dira amen. Mais où dira-t-il amen? Peut-être qu'il dira amen à Bethléem quelque part. Amen. Il dira amen peut-être à Ronoukou quelque part. Amen. Dans un village quelque part. Amen. Et ce jour-là, lorsqu'il entendra, ça sera son jour. Il dira, oh oui, 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 oui. Ah oui. Ah oui, j'ai déjà entendu ce nom-là, William Branham. Mais j'avais un frère qui a entendu les bulles. Moi, je disais qu'il exagérait. Ah, c'est maintenant que je comprends. Hein, frère? Ah oui, 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 oui. Ah oui, non, en tout cas, non, c'est ton frère. C'est ton frère, parce que la même chose que tu fais, c'est comme ça qu'il fait. Nous, on ne le comprenait pas, hein. Nous, on disait qu'il est caché. Oh, c'était lui, vraiment, il était, c'est qu'il était vraiment un chrétien. Et bien, un jour, il va arriver là. Oui, oui, j'étais allé quelque part. J'ai trouvé l'un de tes frères. Mais c'est maintenant que j'ai compris que tu avais raison. Que Dieu nous aide.